travaille 7 jours dehors. Voilà ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Eh oui. Bonne arrivée, papa. Pourquoi me galérer, je suis là. Bonne arrivée, mon fils. C'est ma mère. Jeff, portez-moi la s'il vous plaît. 7 jours dehors. Bon appétit. Bon appétit, chérie. C'est quoi ça? La belle fille. Bon appétit, mon amour. Beko, tu es une bonne femme. Merci, papa. Il a fait 7 jours d'ailleurs et on a gardé ses 7 repas. Donc il faut qu'il mange. C'est ça. Tu sais, mon fils là, il doit devenir gros. Mm-hmm. Il a beaucoup travaillé d'ailleurs là. C'est moi-même qui ai préparé le kati-kati. Je sais que tu aimes beaucoup le kati-kati, mon fils. C'est pour cela que je te sers 2 plats. Beko. Beko. Ah, chérie. Ça, c'est le beignet à Ribo qu'on a. C'est quelle personne me servit ça? C'est quoi ça? Tu me sers plusieurs plats, c'est quoi? Ben, un homme normalement constitué doit manger chez lui tous les jours. Tu peux dormir dehors comme tu veux, mais manger à la maison tous les jours. Si tu as dormi dehors 7 jours, voilà les 7 plats là, 7 plats. Tu crois que je prépare pour qui? Je prépare pour qui? C'est pour toi. Qui va manger 7 plats là? Mon père, c'est pour toi que je prépare et tu vas manger. Ça, c'est la nourriture de lundi. Lundi, ici, on a préparé le riz aux tomates. Comme tu aimes bien ça, tu n'étais pas là. Mardi, on a fait le concha. Tu n'étais pas là. Mercredi, on a fait le gati gati. C'est maman qui a préparé. Elle a préparé pour toi. On t'a attendu fatigué. Tu n'étais pas là. Mais on a gardé ça. Maman, faut lui parler. Il faut lui parler. Mange. Mange. On ne parle pas quand on est à table. Mange. C'est très très bon. Je t'ai dit que Peko c'est une bonne femme. Elle sait bien préparer. Elle sait très très bien préparer. Le repas de 7 jours. Tu as fait 7 jours dehors. Voilà ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mange. Tu cousines pour maman? Maman parle lui, hein? Mange. 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 Tu penses que la fille de Cruy n'avait rien à faire chez elle? Tu penses qu'elle n'était pas utile à sa famille? Hein? Ça, mange! Ça veut dire que tu ne fais qu'un cuir à voilà le kati-kati! Mange! Maman, avec le beignet haricot, il aime bien ça! Mange! Toi, tu aimes toutes les nourritures, mais c'est toi qui dors dehors! 7 jours, ma! Mange! Ah! Mange! Je ne veux même pas me. Tu veux qu'elle encourage? Elle veut que combien de bêtises? Mange! Tu vas manger! Maman, il veut manger! Maman, il veut manger! Oui, oui, il connaît manger! Mange! Mange maintenant! Mange! Parce que si tu ne veux pas que je me lève ici maintenant, là, je te dis, je ne veux même pas que je te renie, ne veux même pas que je te maudis. Maman. Si tu sais que je suis ta mère, mange. Il s'agit de mon couple. Mange. En dépit que tu viens à terminer. Je suis venue arranger ton couple. Voilà, mange. Mange. Il a dormi dehors, je n'ai rien dit, maman. J'ai fait mon devoir de femme. Tu fais ton devoir de femme, tu m'imposes à manger cette plat. Mange. Parce que tu crois que je ne peux pas pour qui? Je m'épuise pour qui? On n'a pas encore les enfants. Je ne peux pas pour qui? Si ce n'est que pour moi, je peux acheter la nourriture à vous. Je mange, mais tous les jours, je m'inquiète ici que mon mari va manger quoi? Tu vas manger. Je vais manger ça, va garder, je mange après. Tu manges, mais tu dois manger. Tu as la chance que Dieu t'a donné une bonne épouse. Depuis que je suis là, l'enfant s'y me gâte avec la nourriture jusqu'à. Je ne sais même pas pourquoi tu es toujours dehors, dehors, dehors. Mais, tu as une femme comme ça. Mais, allez, il veut rester marié, non? Mange d'abord. Prends d'abord le cadre. Mais quand tu veux aller? Prends d'abord le cadre. Mange, mon fils. Mange. Je suis ta mère. Je veux ce qui est bien pour toi. Tu dois prendre le poids. Bon appétit, chérie. Gatara, tu avais faim, hein? Voilà. Azamouan, tu avais faim. Regarde, tu vois, non, je t'avais dit que c'est une bonne femme. Une très très bonne femme. Regarde comment tu es bien maintenant. Hein? Mais vous me forcez, vous me forcez. Il a mangé plus de 7 plats de nourriture seul. Il a mangé, tu as bien mangé. Mais je demande à ma fille. Oui, ma. Comme il a même fini de manger là, et il te donne même souvent combien de coups? Hé, hey, maman, parfois il me donne 3 coups. Eh. Chaque nuit il me donne 3 coups. Ah bon? 3 fois 7, ça fait combien? Ça fait 21, maman. Ah, mais lui, fois dans la chambre. Hé! Hey! Comment? Va remplir ton devoir conjugal, lève-toi! Lève-toi là!
Va, je veux, je veux. Va, va, lève-toi, lève-toi. Va, 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 Péco 24. Bisous, je vous aime fort, trop fort.